En question. President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise de l'audience. And I'd like to hand the floor again to the defense for accused and prompt to put questions to a son law. Son interrogatoire du témoin. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour, Monsieur Sandland. Good afternoon, Mr. Sandland. Je m'appelle Anta Gissé. My je suis co-avocat international de Monsieur International Co-Counsel for Mr. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions and complémentaires. In this capacity, I'll put some je vais essayer de faire des questions précises et je vous demande autant que faire se peut de répondre précisément à mes questions. To you and may I ask you to je vais tout d'abord m'intéresser à votre parcours et savoir d'abord jusqu'à quel âge vous êtes allé à l'école. My first question is, up until what age did you go to school? First, I attended a primary school. D'abord, je suis allé à l'école primaire. In my village. Dans mon village. And after I passed the exam. Et après avoir. I went to study at a school near Antasaun. Je suis allé étudier dans une école à Antasaun. Ma question était précise, savoir jusqu'à quel âge donc vous avez été scolarisé. I wanted you to tell me up until what age you attended school. I attended the school until I was 20 years old. À l'âge de 20 ans. Vous êtes allé à l'école jusqu'à l'âge de 20 ans. Est-ce que entre le moment où vous étiez en petite enfance à l'école primaire et le moment où vous avez terminé à l'âge de 20 ans, est-ce qu'il y a eu une période où vous avez arrêté? Last attended school at the age of 20. Is there any time when you stopped going to school? I stopped going to school when I turned 20 years old. À l'âge de 20 ans. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que de la petite enfance, disons 6-7 ans jusqu'à 20 ans, vous êtes tout le temps resté à l'école. Old, up to 20, you always attended school. Yes. Oui. Donc, j'en conclus que vous savez bien lire et bien compter. Conclude, therefore, that you know how to read and write correctly. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Je voudrais d'abord avoir quelques précisions sur vos liens avec Tamok. Vous avez indiqué que the relationship you had vous étiez with son beau-frère parce qu'il a épousé votre grande sœur. His en prenant comme repère 1975 et la date de la prise de Phnom Penh, est-ce que vous pouvez dire à quelle date Tamok s'est marié avec votre sœur? Phnom Penh fell. Can you tell us when Tamok married your elder sister? I did not know when. Je ne sais pas quand. I did not know the year that he got married. Je ne sais pas en quelle année il s'est marié. Je sais que c'est n'est pas évident de se souvenir des dates précises à plusieurs décennies d'intervalle. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre comme repère
la date de la prise de Phnom Penh. Est-ce que, dans votre souvenir, ce mariage a eu lieu avant la prise de Phnom Penh et le moment où le Kampuchea démocratique a été installé dans l'intégralité du pays, ou est-ce que c'était après? That is when democratic Kampuchea was established throughout the country, or was after that date, which I've given you as a point of reference. Mokka got married with his wife prior to that year. Avant cette année-là. Because the event took place later on. Car l'événement a eu lieu par la suite. Je vous remercie de cette précision. Thank you for this clarification. Je voudrais également, toujours en prenant ce repère-là, savoir quand vous avez commencé à être messager du district de Tramcock. Est-ce que c'était avant ou est-ce que c'était après la prise de Phnom Penh? Or after the fall of Phnom Penh? I became a messenger prior to the fall of Phnom Penh. Messager avant la chute de Phnom Penh. Vous avez évoqué plusieurs personnes qui travaillaient au comité de district de Tramcock. Vous avez parlé de Yekom, Yekom, la fille de Tamok. Tamok's daughter. Vous avez également parlé de Pichim, en disant qu'à un moment, Pichim a succédé à la fille de Tamok. Ma question est de savoir, est-ce que avant d'être lui-même chef de district de Tramcock, est-ce que Pichim travaillait auparavant à ce même district, à un autre poste? Working in the same district, but in another capacity. I did not know about his previous function prior to that. Pas ses fonctions avant cela. I only knew that he worked at the district level where Com previously worked. Com travaillait avant. Mais est-ce que avant qu'il reprenne le poste de Com, est-ce que vous l'aviez déjà vu? Post. Had you already seen him? Yes, I did. Oui. Et à quelles occasions l'aviez-vous déjà vu? Upon which occasions did you see him and where? I saw him when he attended the meetings alors qu'il where the commune chiefs were called. Où l'on convoquait les chefs de commune. Et ces réunions, elles se tenaient and au bureau du district? Were these meetings held at the district office or not? Yes, at the district's office. Au bureau de district. That is at his office. C'est-à-dire à son bureau. Est-ce que avant qu'il soit chef de district, quand il occupait ses fonctions qui l'ont amené à assister à des réunions avec des responsables de communes, est-ce que vous avez personnellement travaillé pour lui? Did you personally, vous avez indiqué tout à l'heure que quand vous étiez messager particulier de Yekom, vous aviez aussi du travail qui vous était confié par d'autres personnes. Other people also gave you est-ce work? Que Tachim faisait partie and de ces autres personnes among these other people qui vous confiaient who du travail? Would give you work sometimes? No. No. He
did not assign me any task. Il ne m'a confié aucune tâche. I was a messenger. J'étais messager. Peut-être que je me suis mal exprimé. Quand je vous parle de tâches, je ne parle pas de tâches différentes de votre poste de messager. Est-ce qu'il vous a utilisé comme messager à un moment ou à un autre avant qu'il ne devienne lui-même responsable du district? No, he didn't assign me any task. Non, il ne m'a affecté à aucune tâche. Et toujours en prenant pour repère and basing myself again on la prise de Phnom Penh, the capture of Phnom est-ce que vous vous souvenez si Pekim est devenu responsable du district à la place de Yekom avant leader instead of ou après Yekom, la, chute, before, la libération de Phnom Penh? After the liberation of Phnom Penh. It was before the fall of Phnom Penh. Avant la chute de Phnom Penh. And later on, Pekim remained working at the district. Pekim est resté travailler au district. In his capacity as the district secretary. Or, dans sa qualité de secrétaire de district. Au niveau du district, at the district toujours, level, again, je voudrais savoir si like to know le nom de if Che, the name Che et à l'attention des interprètes, en français, c'est écrit C-H-A-Y, in French quelque at least. Chose. So I would like to know if the name Che rings a bell for you. Chai. Chai. C-H-A-Y. C-H-A-Y. Chai, in fact. Moi. Chai. Is it Chai? C'est Chai. Chai. Witness, the name is Chai. Monsieur le témoin dit maître Komsamon, le nom c'est Chai. Chai. Yes, I know Chai. Réponse Chai, oui, je connais. But I do not know Joy. Mais je ne connais pas Joy. Est-ce que vous pouvez indiquer quelle fonction il occupait? Tell us au bureau du district. Which position he held within the district office? Chai. While I worked for the district office. Réponse, tandis que je travaillais pour le bureau de district. Tachai worked at the commune. Travaillait à la commune. Et savez-vous ce qu'il faisait à la commune? And did you know what he was doing at the commune? Hàng khóm của con. Vừa chỉ ở thiên khóm. He was the commune chief, or you can say the commune secretary. Chef de commune, ou on pourrait dire secrétaire de commune. Et de quelle commune s'agissait-il? And of which commune? Dom Nak Trai. It was Dom Nak Trai commune. C'était la commune de Dom Nak Trai. Toujours again, sur le district de Tram Kok. Regarding Tram Kok district. Tout à l'heure, mon earlier, frère Coppé my colleague vous a parlé Victor Coppa spoke to you about a person qui s'appelait by the name of Ek-eun. Ou Ul-eun. Or Ul-eun. Vous avez indiqué and you said ne pas that, connaître cette personne. You did not know this person. Est-ce que
vous êtes sûr, so are you sure que ce nom ne vous dit rien, that this name does not mean anything to you? Il a pu répondre à ces deux noms. Maybe both of these two names. No, that name does not ring a bell. Je pense non, ce nom ne me dit rien. Vous ne l'avez donc so, therefore, pas dans vos souvenirs comme une personne ayant occupé un poste person au sein being someone du district who, de Tramcock. C'est had, bien ça? Any kind of position within Tramcock district, am I right? Je n'ai pas eu de traduction à votre réponse. I did not get the French translation, please. Could you please repeat? Je recommence. Que well, let je me crois qu'il y a un put that question je to you again. I believe si there might be a little issue here. So I was asking you if you are sure n'est pas un nom qui vous rappelle quelque chose comme une personne ayant is not eu un poste you remember au comité de district having de Tramcock. Held any kind of position within Tramcock district. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Oui, c'est exact. Le yes, nom ne that's vous dit correct. Rien. So that name does not ring a bell, correct? C'est bien ça. Am I right? Yes. I did not hear of that name. Oui, je n'ai pas entendu ce nom. Vous avez évoqué la présence about the presence de Pekchim of Pekchim au comité de district. At the district committee. À différentes fonctions et notamment in different responsable positions, de district. In district leader, il a témoigné devant and cette chambre. He testified before this chamber. Je voudrais savoir si so I'd like to know vous vous souvenez if you remember d'un programme d'échange an exchange program dont on aurait parlé that à l'époque was entre discussed back then, Khmer Krom vivant so au it Vietnam was an exchange program between Khmer Krom people living in Vietnam vivant au Cambodge. And Vietnamese people living vous in Cambodia. Vous l'avez confirmé à about this earlier, le coprocureur and you confirmed national, this to the national co-prosecutor. Sur, you spoke le about your involvement in the transportation Vietnam, of Vietnamese people to bring them back to Vietnam. But générale, did you hear about this exchange program in more generic terms? No, I did not hear about it. Non, je n'en ai pas entendu parler. Pour rappel, just as a reminder, à l'audience du 24 avril 2015, document E1/292.1, c'est donc l'audition, la déposition plutôt so de Pekchim, Pekchim, un petit peu a little bit, après 10h08 et 23 secondes, in the morning, il indique and he said, la question des Vietnamiens a été well, résolue lorsqu'il y a eu l'échange pour que les Vietnamiens retournent au Vietnam. So that the Vietnamese may return to Vietnam. Encore une fois, so once again, monsieur le témoin, est-ce witness, que une question d'échange was this est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire sur le fait qu'il y a eu un échange? Issue of exchange discussed, does this refresh your memory a little bit? I was not aware of that matter. Je n'étais pas au courant de cette question. What I knew is that at the time I was tasked ce que je savais, to transport c'est those qu'à l'époque people. On m'avait confié pour tâche de transporter ces personnes. And I did not know
whether they were categorized Je ne into savais pas different s'ils avaient été groups. catégorisés ou classés en différents groupes. En ce qui concerne Now regarding, Pechim, toujours, Pechim, est-ce que vous vous souvenez again, do you remember combien de temps il est resté how long comme responsable de district de Tramcock? Est-ce que vous vous souvenez si à un moment ou à un autre, il a quitté ses fonctions? I didn't have a full grasp of that situation. Un tableau complet de la situation. Sans avoir de tableau complet, est-ce que dans vos souvenirs, est-ce que vous vous souvenez si, however, lorsque if, vous êtes parti en formation à Battambang, si Pechim Battambang, était toujours présent à Tramcock? In Tramcock, ou s'il avait été affecté or if à un he autre had been endroit. Assigned to another place. When I was sent for study in Battambang. Lorsque j'ai été envoyé étudier à Battambang. I did not know at the time whether he was still acting in his capacity as the district secretary because I had left for my study session in Battambang. Oui, ma question elle est différente. Well, ma question est de savoir my au moment où vous êtes parti à Battambang, est-ce que Pechim était toujours en poste à Tramcock? Pechim still working in Tramcock? Yes, he was still working at the Tramcock district. Oui, il travaillait toujours au district de Tramcock. À l'attention des parties du témoin Now, également à l'audience du 24 avril 2015. And for the witness at the hearing of 24 April 2015, that's document E1292.1. Je vais d'abord citer les transcripts. Well, un petit peu avant 9h24, so on confronte le témoin Pechim à une déclaration antérieure dans laquelle il dit qu'il est arrivé dans la zone centrale en février 76. Enfin, plutôt en février 77. And at the hearing, he il dit, j'aimerais amender. C'était le 14 février 76. He makes an amendment. He said, in fact, it was on 14 February 1976. Cas, monsieur, in both cases, le témoin, est-ce witness, que la date de février 76 does ou février 77 of February vous rappelle 1976 quelque chose par rapport or the à votre date départ of February à Battambang? 1977 remind you of anything in relation to your departure for Battambang? Please repeat your question. Puis répétez votre question. Vous dites you said que vous êtes parti quand vous êtes parti à Battambang. When you went to Battambang, Pechim était toujours Pechim en poste. Was still working Je in vous ai lu une partie and I read de sa out a part of his testimony before this chamber, in which he said lui, il a quitté that he left son poste his de Tramcock job in Tramcock. Février 76. Donc, ma question est so de savoir est-ce que was, cette date vous rappelle quelque chose. Does this date ring a bell? Est-ce que ça peut être and un élément qui is this vous rafraîchit la mémoire an that might par your rapport à in votre départ à Battambang? To your departure for Battambang. I did not understand the situation, the full situation at the time. La situation dans son ensemble à l'époque. Since I had gone to study in Battambang at Mechba. À Mechba. Ça, j'ai bien compris que vous êtes parti à Battambang. En fait, ma question, c'est vous permettre de réagir.
Petchim est venu déposer devant cette salle d'audience et lui il a indiqué qu'il a quitté Tramcock en février 1976. Vous-même, vous avez indiqué que vous êtes parti à Battambang au moment où il était encore en poste. Donc, je voulais savoir si cette date, telle que Petchim l'indique, vous aide à vous rafraîchir la mémoire par rapport à votre date de départ à Battambang. Si ça vous rappelle quelque chose, pas de problème. Si ça ne vous rappelle rien, vous le dites également. No, I cannot recall that. Non, je ne m'en souviens pas. Un point que je voudrais préciser avec vous, est-ce que durant la période où vous avez eu des fonctions dans le district de Tramcock et après la chute, enfin, la libération de Phnom Penh, est-ce que vous avez utilisé un alias en dehors de votre nom alias San Lorn? Aside from your real name, San Lorn. My alias was Moin. Oh, Amon était mon surnom. J'en viens maintenant aux quatre jours pour lesquels vous avez transporté des personnes par camion. Vous avez répondu à un certain nombre de choses à M. le juge Lavergne. Vous avez, en confirmant ce que vous aviez dit d'ailleurs aux enquêteurs et aux juges d'instruction, que dans ces camions, il n'y avait que les personnes qui étaient transportées. The people you were transporting, elles étaient transportées avec leurs affaires personnelles. These people were transported with their personal belongings. Ma question, c'est est-ce que vous vous souvenez, do you remember, là je ne vous parle pas de l'année exacte, mais de la période de l'année, à savoir de la saison à laquelle ce transport s'est déroulé dans votre souvenir. Est-ce que c'était la saison des pluies? Est-ce que c'était une autre saison? Was it during another season? The transportation of those people happened during the dry season. A eu lieu pendant la saison sèche. Vous nous avez indiqué que vous aviez un grand camion et que ce camion pouvait transporter entre 50 et 60 personnes. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Yes, that is correct. Oui, c'est exact. J'ai compris également que vous aviez été récupérer des gens dans différentes communes, selon la taille des communes, vous avez fait un ou parfois deux voyages. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Did I understand your testimony properly? Yes, that is also correct. Oui, c'est également exact. J'en reviens now I turn back to, au témoignage the testimony de cette personne dont vous ne vous souvenez pas, person whom you don't remember, Ul-Eun, alias Ek-Eun. Alias Ek-Eun. Et c'est lui and qui, it is he la première fois, a dit que vous auriez transporté le nombre de 9000 personnes. Transported 9,000 people. Et il a indiqué and he said que c'est ce nombre de 9000 personnes number of 9,000 people aurait été donné par vous. Had been provided to him by you. Vous m'avez répondu and lorsque je vous ai posé des questions sur votre éducation, que vous avez été à l'école jusqu'à 20 ans. You said to me that you had gone to school until the age of 20 and that you knew how to count. Est-ce que so,
c'est raisonnable en fonction du chiffre is it plausible que vous nous avez donné sur les quantités de personnes qui pouvaient être based dans le camion, de dire qu'en 4 jours, is it plausible vous based on the figures that you provided that 9000 personnes. You were able to transport 9000 people in a period of 4 days. Regarding the number of people to be transported, I did not know if the figure was 9,000. J'ignorais si le chiffre était de 9,000. The number of the people was at the hands of the communes and the district. As for me, I did not know about that figure. Moi, je ne savais rien de ce chiffre. D'accord, mais sans connaître le chiffre exact, but without knowing the exact figure, que votre do you confirm that your truck pouvait transporter 50 à 60 personnes 50 to 60 people, et que vous avez travaillé and that you worked pendant 4 jours. For 4 days. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Do we agree upon that? Yes. Oui. De la liste que vous avez donnée ce matin de based communes, on the list that you gave to us this morning, the list il y avait of communes, à peu près un nombre de 6 communes dans I lesquelles vous dites saw that there were about avoir six récupéré communes, des personnes. In which you said that you had picked up Est-ce people. Que so, vous vous souvenez do you remember si if, dans une journée in the il vous of est arrivé one day, de you faire des de récupérer des gens dans plusieurs communes. Picked up people in several communes. Peut-être que ma question est maybe my question trop was a little bit too convoluted. Je vais la poser différemment, je vais essayer de la découper to sa tête. Break it up. It might be easier. Est-ce que dans votre souvenir, so, as far as you remember, vous avez récupéré des gens did you pick up le matin people dans in the une morning, première commune, in the first commune et d'autres gens and other people, l'après-midi during dans une autre commune. In another commune? Est-ce que ça correspond à comment vous aviez organisé le transport de ces personnes à cette époque-là? Does that correspond to how you had organized the transportation of those people back then? Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Donc ma question est la suivante. Is the following. Est-ce que durant ces 4 journées during those où four days, vous avez travaillé, during which you worked, vous êtes allé did you pendant une journée spend one dans day plus de 2 communes. In more than 2 communes? Yes. Oui. Est-ce que vous pouvez indiquer can you dans combien de communes tell us in how many si vous vous en souvenez if you remember, vous êtes allé you la première journée went to during, that first day. I cannot recall which communes I went to. Je ne me souviens pas des communes it happened dans many je me suis years ago, and I cannot recall it. Pas de problème, je comprends. No problem, I understand. Mais est-ce que nous sommes d'accord but que vous n'aviez qu'un seul camion you only had one truck. Et que il n'y a que vous and quand vous deviez faire des allers-retours, c'était toujours avec ce même camion would, que vous faisiez des about, allers-retours à une commune. With the same truck, you would go back and forth with the same truck. Do we agree on that? Là,
I was the driver of the truck. J'étais le conducteur du camion. And however, there was another person who Cependant, went il y avait une along autre personne with me, qui m'accompagnait. And he was the one who actually maintained the car. Qui s'occupait de l'entretien and who lent me who lent me his hands. Et qui m'a donné un coup de so main. We worked together, the two Donc of nous us. Nous travaillons ensemble, les deux. D'accord, mais dans Fine. Le même véhicule. But in the same vehicle, correct? Yes. Oui. Je voudrais Now, I would like to, que vous indiquiez, vous avez indiqué tout like à l'heure en répondant aux questions, je ne sais plus, c'était de say, M. Juge Laverne, M. le coprocureur, vous avez indiqué que lorsque vous aviez déposé les gens auprès du responsable de le chef de la milice de district, qu'ensuite vous rentriez chez vous, à quelle distance se trouvait votre domicile that you would de go home l'endroit afterwards. Où vous aviez so how far déposé was your home from les personnes que vous aviez transportées. Would drop the people off, the people that you were transporting. The trip was from where I lived to Le the destination where I dropped them off. The distance was about 10 kilometers. Il y avait une dizaine de kilomètres. Je voudrais maintenant Now, I would like m'intéresser to à focus, votre fonction your duties, de messager. Vous avez as indiqué a messenger, que vous avez été messager had been a messenger de YECOM, for YECOM et plus généralement and more generally speaking, du comité de district. For the district committee. Vous avez évoqué dans ce cadre un certain nombre de réunions a certain number of qui se sont déroulées that took place au district avec Monsieur le Co-procureur international. You were answering the international co-prosecutor. Je voudrais so, d'abord m'intéresser like aux réunions to focus on the auxquelles vous, meetings vous avez participé you attended en tant que messager. As a messenger. En tant que messager, so, as a messenger, à quel type de réunions kind participiez-vous of meetings did you attend? Et à quelle fréquence, si and vous how en often, if you remember. In my capacity as a messenger, I did not have any authority to attend the meetings at the district. Je n'étais pas habilité à participer aux réunions au district. Donc, lorsque vous avez évoqué So, des réunions qui se déroulaient au district, that were held at the level of the district, ce ne sont pas des réunions auxquelles vous avez participé. Vous avez parlé de réunions attended, entre TAMOC you talked of meetings et le responsable du district. Nous sommes d'accord que vous n'avez jamais participé and à leurs réunions, c'est bien ça that you never attended any of those meetings. L'interprète n'a pas saisi la réponse. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez répéter la question? Nous ne l'avons pas entendue dans la traduction. Votre réponse, pardon. Repeat your answer. We didn't hear it in interpretation. Please repeat your question. Veuillez répéter votre question. Ma question était de savoir lorsque vous avez évoqué un certain nombre de réunions avec Monsieur le Coprocureur entre TAMOC et le responsable du district, je voulais être sûr que vous me confirmez bien que vous n'avez vous-même jamais participé à ces réunions. You to confirm that you yourself never attended those meetings. Answer no. No. I did not never attended the meeting. Je n'ai jamais participé aux réunions. Vous avez également évoqué des réunions de Petchim avant qu'il soit responsable Petchim, du district avec
district head, des responsables de communes, meetings, est-ce que vous avez participé à une quelconque de ces réunions? Did you attend any of those meetings? Answer, no, I did not. My presence was not required to be in the meeting with the district. Ma présence n'était pas nécessaire dans ces réunions de district. Et avez-vous assisté à des réunions de communes? And did you attend any meetings at the level of the commune? Answer, no. Non. Vous avez évoqué avec monsieur le coprocureur national la période avant 1975. You talked of the period prior to 1975. Il me semble que c'était 71-72. I believe it was 1971 and 1972. Responsable, je ne sais plus si c'est de village ou de commune. When you were the chief, est-ce que vous confirmez avoir occupé cette fonction commune? Et est-ce que dans le cadre can de cette fonction, vous avez assisté that position à des réunions? And as part of your duties, did you attend any meetings? Answer. In 1971 and 72, I became en the village chief, je suis devenu chef during de which village. I attended the meetings et on a période, frequent basis with the commune. Avec la commune. As for meetings with the district, I would attend district, once in a while those meetings. De temps en temps. Et à partir du moment où vous êtes devenu messager, from the time when you became a messenger, au comité de district, of est-ce the que district committee, vous avez continué à avoir des responsabilités au niveau did du you village? Continue to hold any position at the level of the village? Answer. Someone came to replace me quelqu'un est venu after remplacer. I was out of that position. Après que j'ai quitté le poste. Est-il exact de dire que dans ces conditions, en votre qualité de messager, vous n'avez plus assisté à aucune réunion ni de village, you neither ni attended de commune, meetings at the ni level de of the village, the commune, nor the district? Answer, that is true. Effectivement. Vous avez évoqué un certain nombre de points avec mon confrère Copé et ensuite avec monsieur le coprocureur international with the international co-prosecutor au sujet des regarding ex-soldats de l'ONNOL. Former L'ONNOL soldiers. Est-ce que vous vous souvenez de façon générale do you recall, s'il y a in general terms, avait une différence sur la conception des soldats de l'ONNOL avant la libération de Phnom Penh du 17 avril 1975 et après? Answer. I do not know about this issue. Je ne sais rien à ce sujet. Est-ce que vous vous souvenez avant avril 1975 du conflit armé qui avait cours entre les soldats de l'ONNOL et l'armée de libération? Est-ce que vous vous en souvenez? Soldiers and the Liberation Army. Answer. I do not know about that. Je n'en sais rien. Est-ce que dans le cadre de
votre rôle de chef de village, vous vous souvenez, s'il y avait des soldats qui venaient s'approvisionner dans votre village dans le cadre du conflit armé, d'un conflit armé in your village during the armed conflict or any armed conflict? Answer. Those who came to ask for supplies. Ceux qui venaient demander des provisions. Were Lonnol soldiers. Étaient les soldats de Lonnol. They came to seek the supplies, food supplies, specifically. Surtout des denrées alimentaires. Et est-ce que vous pouvez indiquer à quelle date vous situez cet événement, si vous en souvenez? When that happened, on what date was that, if you do recall that? Answer, no, I do not. Non, je ne m'en souviens pas. Et est-ce qu'à cette période-là, il y avait des responsables qui sont par la suite devenus des responsables Khmer Rouge qui étaient déjà dans votre région? Officials who were already in your region. Answer. I do not know. Je ne sais pas. I cannot get what you said. Je ne comprends pas ce que vous dites. J'en reviens à Tamok. I'd like us to return to Tamok. Au fonctionnement de Tamok par rapport au district de Tramcock. Vous avez indiqué qu'il avait un messager du nom de Tui. Stated that he had a messenger called Tui. Répondant aux questions and in answer to de monsieur le coprocureur, a put to you by the vous avez indiqué que c'est par le biais de Tui que Tamok envoyait ses ordres. Tui, that Tamok. La première question à ce sujet est la suivante. His instructions. Est-ce que lorsque Tui venait apporter des messages au district, vous aviez connaissance du contenu des messages qui étaient envoyés? To deliver at the level of the district, did you know the contents of those messages? Answer. When Tui brought the letters to the district, I had no idea what was within those letters. Donc, quand vous dites que Tamok envoyait des ordres, vous-même, vous ne savez pas quels étaient le type d'informations qui étaient à l'intérieur de ces messages. Messages, you did not know the nature of the information contained in those messages. But man. Answer, that is true. C'est exact. Donc ma question est la suivante. Comment est-ce que vous pouvez dire que c'est Tamok qui donnait l'ordre des arrestations? It was Tamok who issued orders. Puisque vous ne savez pas ce qu'il y avait à l'intérieur des messages qui étaient envoyés au district. You did not know the contents of the messages sent at the level of the district. Answer. The reason that I am courageous enough to say the messages were from Tamok. J'ai le courage de dire que le message vient de Tamok. Unless it was the order of Tamok, but that the implementation of that order could be un ordre de Tamok could be in operation. Il était possible de mettre en œuvre l'ordre. Là, vous dites cela, mais tout à l'heure, lorsque je vous ai posé des questions sur les réunions qui se déroulaient, que ce soit au niveau du village, de la commune, du district, à partir du moment où vous étiez messager, vous m'avez indiqué que vous n'avez plus participé aux réunions. Dans ces conditions, comment est-ce que vous pouvez savoir quelles étaient les
fonctions, enfin plutôt les rôles, ou quelles étaient les autorisations de chacun si vous ne participiez pas aux réunions. Played by each person, since you did not attend those meetings. Answer. I did not attend the meetings. Je n'ai pas participé aux réunions. That you said. So I had no idea of roles and position of the leaders. Des rôles et des postes des dirigeants. Vous, vous avez indiqué donc ne pas vous souvenir de Ul-Eun. Je voudrais vous lire ce qu'il a indiqué devant cette chambre en disant qu'il vous avait parlé. C'est à l'audience du 8 mai 2015. Et c'est entre 11h02 et 11h04. Voilà ce qu'il dit. This is what he stated. J'ai rencontré Lorne, ce beau-frère cadet, met Lorne, et je me souviens de Moy. Junior brother-in-law, and I do remember Loy. Pour précision, il évoque le transport de personnes, lui dit de Vietnamiens. The transportation of persons, il notably dit, Vietnamese. J'ai demandé de combien de personnes il s'agissait. I asked how many people were involved. Il a répondu, and he answered, et là il parle de vous, and that is qu'il you, s'agissait de 9000 personnes, saying that there were 9,000 ou bien de 9000 familles. Or 9,000 families. Fin de citation. End of quote. Free translation. Tout à l'heure, je vous ai demandé d'où venait ce chiffre. Vous m'avez dit que vous ne saviez pas ce chiffre-là. About that figure. Ma question est donc my question to you, la suivante. Is as follows. Est-ce que, oui ou non, vous vous souvenez avoir discuté avec un certain Ik-Eun with a person called Ik-Eun, ou Ul-Hun, et lui avoir dit que vous aviez transporté 9000 personnes. That you transported 9,000 people. You can answer with a yes or a no. Answer. I'm not quite sure. Je ne suis pas certain. On this particular matter. I am not sure whether at that time I did talk to him and had such a discussion. Que j'ai eu une telle discussion avec lui. Perhaps I may have forgotten it. Peut-être ai-je oublié. Ce même. Or president. Le président. So please, Winner, look at the tip of the microphone, unless it has the red power, quand vous voyez your voice will not go through the system. Lumière rouge. Attendez que la lumière rouge soit allumée. Answer. I do not know réponse about the number of people that I transported. Je ne sais pas combien de personnes j'ai transportées. My responsibility was to transport them. Ma responsabilité était de les transporter. Ce même Ik-Eun, à l'audience du 7 mai 2015, TV d'audience E1-298.1, parle de la personne dont vous auriez reçu des instructions. À l'audience aujourd'hui, vous avez indiqué, comme vous l'avez dit d'ailleurs, dans, devant les coachs d'instruction, vous avez évoqué un certain P en disant que vous auriez reçu des instructions de sa part. Voilà ce que dit Ik-Eun ou Un. Il dit
Il n'a pas reçu les instructions de Tamok ou du secteur, mais de Tachai. Est-ce que, dans votre souvenir, monsieur le témoin, c'est Tachai ou bien Pi qui vous a donné des instructions à l'époque? At the time. Answer, it was Pi who issued the orders to me. Qui me donnait les ordres. Et Tachai, dont vous avez indiqué qu'il a été responsable de commune, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il vous a adressé une quelconque instruction? Did he at any point in time dans le cadre de votre travail give you any au bureau de district as part of your work at the district office? Answer, no. Non. Est-ce que vous avez pu, vous avez, est-ce que dans votre souvenir, vous avez eu une discussion avec Ik Eun ou Leun ou n'importe qui d'autre où vous avez dit que vous avez reçu des instructions de Tachai? You received instructions from Tachai? Answer, no. Non. Un dernier point sur la question de votre formation, vous avez indiqué que vous êtes parti de Tramcock pour aller à Battambang. Vous avez indiqué que c'était sur ordre de Tamok que vous êtes allé suivre cette formation. Est-ce que vous vous souvenez par qui cette formation a été dispensée? Do you know who conducted that training session? Answer, when Tamok sent me to Mejba to join a study session, it was the time when I was trained by the Chinese and there was a Chinese Khmer interpreter. Il y avait un interprète chinois Khmer. Et est-ce que vous pouvez indiquer à la chambre sur quoi portait cette formation? And can you tell the chamber the subject of that training session? Answer, the study session was séance d'études portée to educate us on how to work the field and how to breed the rice seeds. Et comment comment faire des semences. Des semences de riz. Vous, sur un autre point, vous avez évoqué matter, votre travail en tant que chef de village. You talked about your work as village chief. Est-ce que vous vous souvenez si, à Tramcock, do you remember whether les Khmer Rouges, the Khmer entre Rouge. Guillemets, sont arrivés in quotes, longtemps avant le 17 avril 1975, date de libération de Phnom Penh, April 1975, the date on which Phnom Penh fell, seulement quelques temps avant. Est-ce que vous situez la période before then, un an, deux ans, trois ans avant la libération de Phnom Penh? One year, 2 years, or 3 years before the fall of Phnom Penh. Answer. I cannot answer this point since I forgot it. Car j'ai oublié. Est-ce que vous vous souvenez
Ça, c'est un dernier point que j'ai omis de préciser. Est-ce que vous vous souvenez, dans le cadre de votre travail, de transporter des personnes, duties, comme vous l'avez indiqué, transporting persons, as you en dehors de ces quatre jours? Est-ce que nous sommes d'accord days, que vous n'avez jamais effectué d'autres transports? You never transported any other people, or you never had any other transportation duties? Answer: that is true. C'est exact. Vous avez indiqué ne pas vous souvenir du programme d'échange. That you didn't remember. Vous avez indiqué en revanche vous souvenir de but you did say that ce moment où les Vietnamiens sont retournés, en tout cas où vous avez entendu dire qu'ils retournaient au Vietnam. They returned to Vietnam. Est-ce que, sans vous souvenir du programme d'échange, without vous vous souvenez recalling the si exchange programs, il y a des personnes qui sont arrivées dans la coopérative any persons de Tramcock arrived in the Tramcock et cooperative? Qui venaient d'autres endroits from à l'extérieur de Tramcock? Places, est-ce que vous vous souvenez avoir vu Tramcock des gens venir do you remember après having seen people le départ arrive de personnes after the que vous avez transportées dans les camions? The persons you transported in trucks? Answer, I did not see it. Je ne l'ai pas vu. Un autre point, on vous a posé la question à deux reprises, and je another crois, matter, I believe on sur le fait de savoir questions were put si to vous you aviez revu les personnes que vous aviez transportées you saw the dans les camions. You transported again. La question que je vous pose maintenant est de savoir est-ce que parmi les gens transportés que vous aviez transportés dans les camions, vous en connaissiez certains? You knew some. Est-ce que vous en aviez déjà vu you know auparavant? Some of the persons you transported in the trucks that you had already seen before? Answer: no, no, I do not know them. Je ne les connaissais pas. Donc, lorsqu'on vous pose la question de savoir si vous avez revu ces gens, en fait, vous confirmez que vous ne les connaissiez pas. You confirm est-ce que that vous you aviez didn't know them? Une raison particulière did you have a particular de revoir des gens que vous ne connaissiez pas? For seeing again persons you didn't know? Answer: I did not see them. I no longer je ne les ai pas vus. Saw them. Je ne les ai plus revus. Since I had to move to live car far away je from suis them. Vivre très loin d'eux. In the district. So district. I did not know at the time where they were going to and particularly where their whereabouts. Ni où ils étaient. Mais vous me confirmez que vous ne les connaissiez pas de toute façon but avant. You do confirm that you didn't know them before, right? Not well. Answer: no. No. Monsieur le coprocureur, au début de son interrogatoire, of vous a posé examination, un certain nombre de questions en vous disant put a number of questions to you, que vous aviez, dans le cadre de votre interrogatoire devant, devant les enquêteurs des juges d'instruction, que dans un premier temps, judges, vous n'avez pas that primarily collaboré spontanément puisque vous indiquiez que vous ne vous souveniez pas de ce qui s'était passé. You said you didn't vous avez remember répondu what had happened. Que vous vous aviez peur à l'époque. At the time you said et je crois que you were devant afraid les enquêteurs des juges d'instruction, vous avez dit parfois que la mémoire ne vous ne revenait pas particulièrement bien. Ma question est la suivante. Could not quite remember because your memory aujourd'hui, vous avez répondu so my question to you au meilleur is as follows. De vous souvenir you ou est-ce que vous
dissimuler les choses. Have you answered the questions to the best of your recollection, or you have concealed any facts? Answer. I am not hiding any information from the court. I am now telling the truth. Je dis la vérité aujourd'hui. Nothing but the truth for your honors. Je dis que la vérité pour vous, madame, messieurs les juges. Monsieur le Président, j'en ai terminé de mes questions. Mr. President, I'm done. Mon confrère Consamon n'en a pas. With my cross-examination of the witness, and my colleague Consamon doesn't have any questions either. Le President, now lastly, the floor is given to the defense team for Mr. Nguyen Chi to put questions to this witness, if any. Poser, s'il en a, des questions. Monsieur le Président, on a posé toutes mes questions. Je n'en ai donc plus. President, thank you. Le président. Today's hearing Merci. Has come to an end, and the hearing will resume voilà qui met fin à on aujourd'hui. Monday. Nous reprendrons les débats lundi. Next week. The chamber will start to hear 2 TCW 889, and there is a reserve witness as well, 2 TCW 1008. Please be informed and on time. Thank you, Mr. San Lon, for spending your valuable time before the chamber to give your testimony as a witness. Your testimony will contribute to the truth. You may now accuse to any places you wish to go. I wish you all the best. Court officers, please work with the staff of the WESU to send Mr. San Lon to his residence or to any places he wishes to go. Security personnel are instructed to bring Kisopan and Nunjia back to ECC detention facility and have them returned on Monday 1st, February 2016, before 9 a.m. The court is now adjourned.